attention, attention! Okay. Attention, let's go, let's go, let's go, let's go! Okay. Personne panique! Ouais. Bon amour, bonne émission, have fun! Ça va être un plaisir de commenter avec toi. Pour les gens qui l'écoutent sur YouTube, merci d'être là. Abonnez-vous, on fait ça toute l'année. Les 4 mois que ça s'en vient. Ouais. On check ça en stream, en live, les jeudis puis les dimanches. Ouais. On prend un tapis, have fun, Clo. Amuse-toi, dis de la merde, puis on en profite. On adore ce show. Le crousti fondant! Continue dans le show, let's go! Quand je dis crousti, tu dis fondant. Crousti. Fondant. Crousti. Fondant. Crousti. Fondant. Let's go! Au cours de la saison, les gars et les filles vont apprendre à se connaître à travers des activités, des parties et des voyages incroyables. Ça part pour let's go, Fred! Donne-t'en, Fred! Donne-t'en! Les rapprochements. Ça m'a fourré! On commence ce soir avec un tapis rouge grandiose. Pas le niaiser. Chacun des 11 gars aura droit à un tête-à-tête de 3 minutes avec la fille de son choix. Et c'est ce moment qui déterminera quel garçon fait son entrée dans les maisons. Bienvenue à Occupation Double Andalousie. Okay. Ce soir, on débute officiellement la saison avec nul autre que le grand tapis rouge. Justement, dans quelques minutes, les filles et les gars vont enfin se rencontrer pour la première fois. Mesdames et messieurs, c'est maintenant le moment d'accueillir les filles d'Occupation Double. À ce moment-là, il doit avoir le cul tout trempé. Hey, man, à ce moment-là, il devait tellement être stressé. Il doit avoir les fesses tout mouillées. C'est comme soit qu'il est bandé ou il est fesses mouillées. Ça doit être bizarre. Hey, non, moi, je serais dégueulasse. Mesdames et messieurs, c'est maintenant le moment d'accueillir les filles d'Occupation Double Andalousie. Wow, incroyable. Moi, c'est Céline, j'ai 22 ans, je viens de monter au Nouveau-Brunswick. La gagnante, je suis quelqu'un qui est tellement amical, puis je parle tellement beaucoup. Tu pourrais mettre dedans une chambre avec une plante, puis une lampe, puis ça serait mes meilleurs amis dedans 5 minutes. Je m'appelle Marlene, j'ai 24 ans, je viens de Brossard et je suis étudiante en psychologie. Si je prends un petit verre de vin, peu importe t'es qui, je vais te raconter toute ma vie. Ça peut faire vraiment peur aux hommes parce que des fois, ils s'attendent pas à ça. Je m'appelle Raki, j'ai 24 ans, je viens de Laval et je suis analyste en actuarie. J'ai fait des études en mathématiques, donc on peut dire que je suis une petite nerd, mais c'est pas tout parce que je suis une petite party animal. Je m'appelle Rebecca, j'ai 26 ans, je viens de Sainte-Thérèse et je suis travailleuse sociale. Je crois vraiment à mes chances de trouver l'amour à OD parce que j'aime ça être en amour, j'aime ça être en couple. Okay. Je m'appelle Laurence, j'ai 24 ans, je viens de Roxton Falls et je suis étudiante au baccalauréat en sciences infirmières. Premier abord, quand on me voit, les gars doivent certainement me percevoir comme une petite princesse, je dirais. Mais je suis la princesse la plus simple que tu auras jamais rencontrée. Je m'appelle Mia, j'ai 22 ans, je viens de Trois-Rivières et je suis étudiante en travail social. Quand je cruise, j'essaie que je sois pas comme trop accessible. Je suis pas comme un poisson qui pêche dans le lac. Moi, il va falloir que tu pêches trois fois avant de m'envoyer. J'adore le bleu. Je m'appelle Lara, j'ai 27 ans, je viens de Boisbriand puis je travaille comme représentante en mode. J'ai une fille qui rit beaucoup, qui sourit beaucoup, ça peut me donner un air un peu naïf, mais mon signe astrologique, c'est le... J'ai décidé, je vais voter pour elle, moi aussi. Eh, hot, Lara! Moi, je l'aime, Zara. Je trouve que Lara est comme... J'ai décidé. Est naturellement hot. Ouais, ouais. J'ai décidé que tu veux, ça elle essaye pas de... Céline... Lara, elle essaye pas de faire un show, on dirait. Mais y a personne, en tout cas, à date, y a personne qui essaie de faire un show, mais on dirait qu'elle, elle joue pas de game. Elle pousse. But we'll see. Les filles, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue en Andalousie. Le bleu. Merci. C'est enfin le grand jour. On est là. Comment vous vous sentez, les filles? Excitées. Vous aussi, vous avez dans le bleu? C'est ma quoi préférée? Ça, c'est des fake tits, là, right? C'est impossible, ça soit des vrais, hein. On s'en fout, là. C'est super beau, là. Laissez-moi vous annoncer que ce soir, c'est vous qui aurez la tâche de décider quel garçon reste dans l'aventure de Kit ce soir. Ce qui veut dire que, mesdames, vous êtes officiellement les 8 filles d'Occupation Double Andalousie! C'était pas nice! Ça, là, by the way, je tiens à dire que les 8 filles qui sont là, ça devait être les 8 plus hautes. Parce que la prod veut absolument faire entrer les filles les plus hautes. Ouais. En ce moment, ils ont pris ces filles-là parce qu'ils voulaient s'assurer qu'elles rentrent dans l'aventure. Ça veut pas dire que les choix vont être faciles. Premièrement, vous allez être divisé en deux groupes de 4. Donc, il y a un groupe qui va rester ici sur la scène. Pendant ce temps-là, le deuxième groupe va visionner le tapis rouge à distance. Ben oui! Donc, il y a 6 garçons qui vont défiler devant le premier groupe ce soir. Ensuite, le deuxième groupe va revenir pour prendre leur place pour en voir 5. Donc, au total, vous allez voir 11 garçons défiler devant vous. Par contre, sont bons, ce qui va se passer, c'est que chaque garçon qui va défiler devant vous aura la chance de choisir la fille de son choix pour passer un petit moment de 3 minutes. Ouais, on parle d'une date. Ce qui est encore plus
même fun là-dedans, c'est que tout le monde ici présent va pouvoir être témoin de votre date. Parce que la date va se passer ici. Hey, pas ça, le choix. Hey, tu te rends compte qu'on a eu la meilleure année la plus facile? Et faire ça, c'est terrorisant. Ben moi, j'ai pas fait de speech, fait que je suis contente. En Even easier. Oh ouais, moi, ça a été easy, là. Mais Afrique du Sud, là, il y a jamais eu une saison si easy peasy. Ouais. Ça, c'est terrorisant. Mettrez Céline, Raki, Laurent et Lara à rester sur la scène. C'est vous qui allez être notre premier groupe. Let's go! Mais c'est violent. Et voilà la maison, hein. Hey, j'ai des frissons, tu sais, c'est comment c'est intense. Oh mon Dieu, ça t'est mis! Je veux 16 pieds! J'ai des frissons, ben j'ai des frissons. Alors les filles, vous allez accueillir le premier garçon. Non. Mathieu. OK? Mathieu, c'est le mannequin, genre il a l'air d'un mannequin. Là. Mais là, pourquoi ils disent Mathieu? Il y en a deux, les maths. C'est chiant. Ben c'est Mathieu puis Mathieu P. Pas Matt B puis Matt P. Ben écoute, ils veulent prendre ton nom. C'est tellement de la calice de pisse avoir un gars du même crise de nom dans un show de même. Mais tes parents avaient juste à pas t'appeler par le nom le plus basic. Non, mais pas moi, je parle eux. Ils vont être comme, hey, Mathieu est tellement cool, ils vont être comme, lequel? Ouais, tu comprends, c'est BS. Ouais. Je m'appelle Mathieu, j'ai 23 l'intro ans, j'habite incroyable. À Longueuil et je suis entrepreneur. On m'a souvent reproché d'être indépendant dans mes relations. Je pense que c'est à cause que j'ai pas rencontré la bonne. Mon beau sourire, j'imagine qu'il fait quand même craquer ça. Oh my God, que c'est bon, Dieu! Oh my God. Sorry, là, mais c'est... Les filles vont le prendre vacheux, là. C'est le premier, ils sont tous excités, il est bon dans le cœur. Le premier, c'est sûr qu'il prie. À moins qu'il chie sa scène, il va être pris vacheux. Demoiselle, mon talent, moi, c'est la séduction. Non, 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 j'ai des frissons. Bonjour les filles, je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Mathieu! Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Good. OK, cute. OK, ouais. C'est beau, là. Tu le sais déjà, mais t'as la chance de t'entretenir juste devant nous pendant 3 minutes avec la fille de ton choix. Ouais. Il pense qu'il y a 4 filles, mais il y en a, mais... Osto. Ton choix s'arrête sur qui, Mathieu? Mon choix va s'arrêter sur Laurence. Ah, yeah! Oh! Je suis contente. Ils sont... 3 minutes, go! Hey, là, wow. C'est comme si on n'était pas là. Non, c'est ça. Chez vous! Enchanté! Mathieu, enchanté! Comment tu vas? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien, merci. C'est quand même une bizarre de première date. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, très à l'aise! Très à l'aise? Okay, cool! Sinon, bon, je vais te parler un petit peu de moi, je vais essayer de me vendre. Mais, ouais. J'ai dit que je suis entrepreneur, donc j'ai une entreprise de vêtements et de bijoux pour femmes, pour femmes seulement. Donc, je pense quand même connaître bien tes goûts. Okay. J'imagine, t'aimes ça? Ça va, ouais! T'aimes ça, bijoux? Hey, j'en ai pas tant que ça. OK. Pourquoi tu te vends en disant que t'es genre. On dirait qu'il y a tellement autre chose à dire. C'est un speedrun! Je sais, mais il y a autre chose à dire que t'es entrepreneur de bijoux. Ouais, dis que t'es smart, dis que t'es gentil, dis que t'es serviable. Dis pas que t'es entrepreneur dans sa colline. So far, c'est bad! Et c'est bad, man! So far, c'est pourri! Ah, c'est so bad! Les voyages, j'adore vraiment voyager, dans le fond. Oui, c'est bon. Plus, écoute, je vais te parler de moi encore un petit peu. J'en ai mis reste encore un petit peu de temps, dans le fond. Je suis quelqu'un vraiment près de ma famille. Ça, c'est bon. Ça va dans les points à l'eau, hein. Famille, c'est dans. J'ai un frère plus jeune aussi qui est vraiment très près de moi. Sinon, j'ai un chien qui s'appelle Maggie. T'as un petit chien? Non. Un animal, non? Mais tu dis okay, non. OK. Je te coupe, il reste pas beaucoup de temps. J'ai un cadeau à te faire, je trouve que la date est bien été. Oh, cute! Ferme les yeux. Fais-moi confiance. Donne-moi tes mains. C'est sûr qu'il me mène dingue. Non, OK. Chose que je fais dans le mois de mariage, esprit, ça va trop vite. Ah! J'ai sûr d'ouvrir les yeux. Ouais, tu peux regarder. Voyons, non! C'est cute, mais Mandy, un petit peu cringe. Mathieu, Laurence, le temps est écoulé. Plus il descendait les marches, plus c'était bad. Là, c'est comme, il est parti là, sexy as fuck. Mais en même temps, ils vont le prendre quand même. Il y a peut-être trop fumble, je pense. Ah ouais, hein? Mais non, ils vont le prendre parce qu'ils vont le trouver beau. C'était weird un peu, là. Yo! Ça devait être dans le vrai 3 minutes, je pense. Laurent, t'es chanceux, ça fait 2 ans que j'entends après une bague, moi. Alors les filles, ça va être le temps pour vous de délibérer tous ensemble, à savoir si Mathieu a conquis votre cœur avec ses bagues, s'il retourne à la maison ce soir. Hey, c'est difficile. Qu'est-ce qu'il a aimé? Tu sais, il a parlé de sa famille, il a parlé d'entrepreneuriat, il a parlé, tu sais, c'est tout des trucs moins matures, je sais pas, vous. Il était vraiment cute. La personnalité, j'ai moins ressenti. Ouais. Comme. Mais je pense qu'il serait gagnant à découvrir. Tu sais, je suis pas sur le côté vraiment. Parce qu'il a un corps très soutenu. J'ai pas senti rien. Moi, je le prendrais. Mais les filles, votre décision est prise? Elle est prise. Super. What?
C'est sûr qu'ils le prennent. Reviens-tu? Okay. Reviens, là! Il y a quelqu'un qui le voulait. Bienvenue. Laurence, elle le voulait, donc, je pense. Donc, les filles ont pris la décision. Il faut y aller, Laurence. Oui, c'est moi la chanceuse. Cool. En fait, on a beaucoup aimé toutes tes valeurs de discussion. On a décidé tout de même de te laisser partir. Non! Simplement qu'il nous manquait un petit quelque chose d'intérêt peut-être dans les quatre ensemble, là, dans notre délibération. C'est tellement triste! Je suis pas sûre. Oh, il est déçu. Veux-tu reprendre ta bague? Ah, tu vas regarder ce qu'il y a. Alors, Mathieu, on est désolé. On se souhaite un super retour. Puis merci beaucoup d'être prêt au jeu. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire aux filles avant de partir? Ben, écoutez, j'ai apprécié la discussion qu'on a eue. Puis on fait ça un peu plus tard. Pig, direct. Hey, Valoué, ta valise, l'as-tu déjà défaite? Fais-la. Oh mon dieu, mais c'est tellement triste. J'espère de tout garder plié, c'est moins long à refaire. Oh my god. Bonne journée. Hey, pour vrai, moi, ça me fait legit mal. Parce que le sentiment de rejet comme ça, ça doit être. C'est encore pire que tout ce que tu peux vivre dans la vie. Comme je vous dis, c'est bien pire ça qu'un speech. Oh, c'est tellement triste. Un speech, c'est easy. T'arrives là, 3-4 sauces, personne t'interrompt. Tu dis la bonne merde, tu décalisses. C'est terrorisant, ça. Je viens de me faire éliminer, j'imagine. Si j'étais le premier à passer, je pensais que ça avait quand même bien été. En tout cas, je sais pas. Les filles, on peut dire que vous savez ce que vous voulez. La bague a pas... Sans plus tarder, on continue avec le deuxième garçon, Gabriel. Gabriel! Ah, ils vont montrer ses abs, là. Ah, c'est lui. Mais là, on voit pas ses abs, là. Je m'appelle Gabriel, j'ai 25 ans, je viens de Laval, puis je suis électromécanicien. Je suis un docteur de machines. Puis s'il y a quelque chose qui marche pas, ben je les répare. T'sais, c'est des machines qui emballent les dispos de pilules, là. Voilà. Je pense que les filles trippent quand même beaucoup sur mes atouts. Ça me fait un petit coup de bad boy. Vraiment, à l'intérieur de moi, je suis vraiment un petit lover boy qui est genre maladroit. Qui est... Ça, c'est ma valise, j'amène ma poudre, ma créatine. C'est comme... Oh my god, c'est carré de ça. Salut, je m'appelle Gabriel. Non. J'ai 25 ans, je suis électromécanicien. Puis le bad boy est dans la place. Salut, bad boy! Salut! Comment tu vas, Gabriel? Comment on sent d'être enfin sur le tapis rouge? Je me sens un peu stressé, je veux pas, mais je suis quand même content de vous voir. Vous êtes vraiment incroyable. Merci. J'ai jamais daté un gars avec une moustache. Écoute, Gabriel, tu as quatre charmantes, jolies jeunes filles devant toi. On aimerait savoir sur qui ton choix s'arrête. Je vais avec Laurence. Alors, Laurence, c'est un homme. Mais voyons donc! C'est la rare cuir! Elle a la voix capotée de Ça va bien, toi? Ça va bien. Il y a du monde qui vont se parler dans la soirée. Tu as quel âge? J'ai 24 ans. OK, ouais. En fond, j'aurais voulu faire un petit concept de après-ski. Je sais pas si tu as déjà fait un après-ski. Après-ski, genre chocolat chaud. Chocolat chaud, okay. Autour d'un feu de foyer. Moi, c'est ça ma petite date idéale après celle-là, c'est sûr. Là. Moi, d'ailleurs, j'aime mieux le mien. Ma deuxième passion, je suis un petit gym rat. Je m'entraîne tout le temps. Puis le petit côté bad boy, je pense que c'est mes petits tatous, justement. J'ai quand même beaucoup de tatous. T'aimerais-tu voir mon préféré? Non! Non! Non, t'es... non, non, non! C'est non, impossible non, qu'il ait... God, please, y'a... non. Y'a aucune chance. Non, non, y'a non, aucune please, chance. Please, Claude, God, non, c'est impossible. God, tu voudrais-tu voir ma bite? C'est juste celui-là. Ça, c'est justement avec la vie. J'ai comme un concept de... Il flex. J'ai comme un concept de la... Comment il a pu se dire que c'est bon? Mais c'est un bad boy. C'est un bad boy, Claude. Vraiment bad boy, là. Je suis un petit gars quand même proche de mes parents, puis... Ouais. Est-ce que tu t'es tombé un petit peu? Oh my god, ouais. Ouais, j'ai mon petit côté maladroit gêné, ouais, là, mais je pense que c'est justement ça qui fait mon charme, là. Je suis bien content, t'es vraiment incroyable. Ben, merci beaucoup. C'est mon genre de fille, là. Moi, j'aime les petites brunettes, puis. Mais bonne Laurence, sérieux? Ouais. Ouais. Oh, il est gêné, mais c'est correct, on est gêné dans une date. Ben, à date, je trouve pour vrai, il y a sûr. Non, mais il reste 20 secondes, fait que je vais y aller avec la conclusion. Moi, je suis un petit gars d'adrénaline, vraiment serviable. Puis, j'espère qu'on va revenir dans la fraîcheur du Québec ensemble. Ah, oh, ça, c'est plate comme dernière ligne, par contre. Ben, ça va être cool, tu sais. On va aimer l'hiver ensemble. Les amis, la date est terminée. C'était pas un mauvais cringe. Mais je pouvais cringe. Pas actually croire qu'il monte ses apps. Ouais, mais c'était pas... Tu sais, il y a des cringes qui te glacent le sang. Ça, c'était comme sort of correct. Mm-hmm. Mais tu sais, we'll see. Moi, je vais aller directement. Pour moi, c'est un non. Oh, OK. Impossible! Pourquoi? Mais Rocky, tu me niaises? C'est pas ton genre, la stache, tout, les abs, right? Moi, personnellement, je le trouvais plus comme... Ouais, vous avez rien en commun. Effectivement. Ils sont quand même sévères. Ouais. Ben là, comme nous.
Moi disait qu'il était nerveux, ouais. était capable de l'admettre. On dirait que ça détendait l'air. Moi aussi. Ouais. Ouais. Les deux étaient très, étaient très attirants. Parce que Mathieu était vraiment plus dégourdi. Mais moi, mettons, j'avoue qu'il gagne à être connu, lui. Moi, intérêt, je trouve ça cool. Ceux qui ont éliminé, je suis convaincu, ils vont les ramener pour en prendre un. Mais oui, on le sait. Ils vont ramener Mathieu. Ils vont ramener Mathieu. Ils vont ramener Mathieu. Fille, est-ce que votre décision est prise? Oui. Oui. Ramener Mathieu, il était tellement hot, je trouvais. Là. Gabriel, les filles ont pris leur décision. Je laisse la parole à... Peux-tu nous montrer... Salut, Gabriel. On t'a trouvé super énergétique. On a aimé le fait que tu avais des intérêts comme le ski et tout. Mais je vais aller direct au but. Malheureusement, ça va être un non. Je suis désolé. Moins surprise, ce coup-là. Non, pas de problème. Merci beaucoup, Gabriel, de t'être prêté au jeu. C'est vraiment pas facile. Ça peut être intense. Beaucoup d'émotions. Oublie pas ta paire de bas, là. Oublie pas ta paire de bobettes. Hey, ramène tout là, dans. Ramène tout, man. Genre, j'ai envie. Il pourrait avoir une équipe de sport émotionnel en OD. De support émotionnel? Non, mais comme. Quelqu'un qui ils se font éliminer, au moins, il y a comme. De quoi pour eux après. Tu veux qu'ils sautent dans un sac à dos que le monde porte? Ils viennent, donc, ramène. Je sais pas. En civière. Il vous reste 4 garçons à voir et 3 places disponibles. C'est ça. Donc, chaque choix va être très important. Ouais. Alors, les filles, veuillez accueillir Simon. Je m'appelle Simon, j'ai 28 ans, je viens de Sainte-Thérèse et je suis consultant en marketing. Je suis pas même compliqué, tu sais. Je suis une fille vraie, simple, qui va rire à mes mauvaises jokes. Même si ça arrive à moitié de mes jokes, même si ça arrive à 10% de mes jokes. Simon! J'ai l'air mêlé, j'ai l'air perdu, mais non, je suis pas vite. Donc, il est beau en plus. Ok, là, Laurent, ça tripe dessus, là. Il est fucking beau, là. Bienvenue sur le tapis rouge. Merci. T'es clé! Faut écouter. Je te laisse te présenter. Bonsoir, mademoiselle. Je m'appelle Simon, j'ai 28 ans. Je suis consultant en marketing. Non, il est vraiment en marketing. Simon, tu connais un peu le concept. Comme la chance de t'entretenir pendant 3 minutes avec une des filles ici présentes. Avec quelle fille t'aimerais passer ton moment? Écoute, je vais y aller avec Laurence. Toutes les filles doivent capoter intérieurement. C'est même bizarre. T'es en tabarnak, check ça! Hey, mais je suis vraiment surprise! Nerveuse? Un petit peu, là. Mais c'est vrai quand que Laurence, c'est la seule qui sourit vraiment. Ben, toi, dans le fond, j'ai carrément oublié ce que je dise. Fais-toi confiance, mon gars. Tu fais quoi dans la vie? Ouais, moi, dans le fond, ça, je suis consultant en marketing, dans le fond, c'est ça. Fait que t'habites je travaille. Je suis Sainte-Thérèse. Ça arrive hors de Montréal. Toi, tu viens d'où? Rive-Sud. OK. Campagne. Loin. Campagne, cool. Puis pourquoi tu viens à OD? C'est quoi ta. Bonne question! Ouais, ça fait longtemps que je suis célibataire, en fait. J'ai comme envie de partager. Tu sais, des moments où est-ce que tu as comme besoin de quelqu'un, d'autres que tu as juste envie d'avoir quelqu'un. Je suis comme dans le jeu, j'ai envie d'avoir quelqu'un. Okay. Je suis assez très occupée. Je sais pas, ton horaire ressemble à quoi? Et moi, j'ai un horaire vraiment flexible. Tu sais, je travaille 100% en ligne. Donc, OK. Ouais. Fait que j'ai un horaire, c'est ça. Je fais un peu de nomade, si j'ai pas de bureau. Okay. Pour moi, ma famille, ma partenaire. Ouais, c'est super, c'est intéressant. J'ai chaud. Il est vraiment beau. Puis côté famille, t'es-tu proche de ta famille? Extrêmement proche de ma famille, ouais. Il y a des belles dents. Il y a des belles dents, oui. Marie-Lé, il a l'air à sentir bon aussi, je le sens. Je fais un appel, là, je vais avoir une date avec Simon. Moi aussi, je suis super proche de ma famille. Là. On est tous ensemble. Mes parents, ça fait 45 ans qu'ils sont ensemble. Vrai. Ils sont vraiment cute. OK, mon Dieu, ça m'interpelle. Mes parents aussi sont encore ensemble, Marie, depuis 32 ans, c'est mes idoles. OK, cool. C'est la preuve vivante que bon, ça se peut, l'amour, à long terme. Oh, elle est chouette. 5 secondes, on n'a même pas fait de cheers. C'est pas grave. Hey, notre première date. OK, j'adore. Super. Son ton de voix était chaud, chaud comme chaleur. Chaud comme... Son ton de voix. Oh, oui, il était chaud, son ton de voix. Chaleureux. Hey, Hélène. Simon, les filles ont une décision à rendre, et la voici. Ce sera moi qui aura le grand plaisir, parce que moi, je suis bien excitée de dire que tu fais officiellement partie de l'Occupation 12. Hey, by the way, les filles, dans le fond, vous pouvez toutes partir, on va garder Laurence. Ouais, c'est ça. Ben, allez boire du petit vino, là, puis pas de stress. Laurence va faire ça, là. Bien au dé! Oui, yes. Je passe par là. Juste par là. Oui, et tu vas. Simon, qu'est-ce qui vient de se passer? Je sais pas. Blackout. C'est fou, j'allais réaliser ce coup, c'est intimidant. Ouais. Je l'adore. Les filles, simple petit rappel. Non, il sait que le gars! Ah, ben oui, Fred, il pousse, man! Il est doux, il est bon, il est bien. Ils sont super bons, il est pour fort, vrai. Il est fort. Donc, on accueille maintenant le quatrième garçon, Anthony. C'est devenu un bachelorette. Anthony! C'est devenu un bachelorette avec Laurence. Je m'appelle Anthony, j'ai 27 ans, je viens de Lévis. Le show, ils ont un rename, ça s'appelle Astor. Laurence. Laurence and Friends. Oui. Bonsoir, les filles. Cute! Mais pas dans... Ah, moi, je le trouve beau. Moins bon genre. Salut, Anthony! Comment tu vas?
Un peu stressé. Je pense que Fred peut savoir comment on peut se sentir. Écoute, je me mets à ta place puis je comprends. T'es bon d'être là, moi. Ouais. Écoute, Anthony, tu comprends le principe. Tu dois choisir une fille parmi ces quatre jolies demoiselles pour un petit moment c'est de 3 minutes. Alors, on aimerait tous savoir sur qui s'arrête ton choix. Premièrement, les filles, vous êtes toutes ravissantes, honnêtement. Oh, je l'aime! C'est mon préféré à date. Mais là, Céline. Ah! Ah! J'ai des ice contact avec pas mal, fait que. Ah, oh, Céline, j'ai hâte de la voir! Elle voulait juste être prise, ah, aussi. Prends-moi! 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 Je comprends, là. Honnêtement, en tant que fille, t'es sur le stage, tu veux que le gars trippe sur toi. C'est plate en esti quand les trois premiers gars choisissent la même fille. C'est toi? Ah! Oh! Okay. Okay. Oui! Okay. Puis c'est sûr que Céline, elle aime ça, là. Céline, c'est la première fois de ma vie que je fais la bise. Ah ouais, pour vrai? Tu entends le petit accent? Ouais. Devine. Hey, c'est une bonne question. Tu me mets sur un spot là. J'en ai aucune idée. Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick. Je te laisse. Vas-y. Good. Bien, premièrement, je suis super content de t'avoir devant moi. T'es magnifique. Enchantée. Moi, je suis à la construction. Je suis quand même très fort en dessin. J'ai fait la construction de notre maison, probablement. Un gros plan 3D. On va voir. Juste me dire qu'est-ce que t'en penses. OK. Incroyable! Okay. C'est qui? Ça, c'est notre chien allumette. Anthony! Nico. On peut l'appeler Nico aussi. Leur chien allumette! C'est notre chien allumette. Je l'adore! Moi, j'adore. Moi, je 10 sur 10. J'adore mon travail, honnêtement, j'adore ça. Là. Je rentre pas à la maison en disant que j'ai passé une mauvaise journée toutes les soirs. On n'a pas rien que ça à faire. Exactement. Oui. On a le droit bonheur. Je peux en déduire que je suis vraiment pas bon en dessin. Le but, c'était de te voir sourire, puis je pense que ça a fonctionné. Mais avant qu'on envoie ça à l'ingénieur, je suis bien curieux de savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis tu viens de où? Au Nouveau-Brunswick. Je suis originaire de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Il s'est pratiqué toute la nuit pour son speech. Mais il va être dans son lit, il a pas dormi. Il va comprendre, je suis pas bon en dessin. Ah, il est incroyable! T'es un peu Golden Retriever. Mon Jack, je dis des niaiseries, super maladroit. Super projet à ma famille. Famille, t'es drôle, je ton accent, by the way. Merci. Parce que moi, je bâtis des maisons, des patios, des pergolas. Tu me vois peut-être venir, mais je voudrais bâtir quelque chose de sérieux. Oh! Cute, toi aussi, tu l'aimes, hein? Oui. J'ai eu un frisson. Stop shooting the beast, she's dead, là. Man! Il est overkill, là! Winner edit. Dude, arrête de frapper le pauvre homme, il est déjà mort. T'as déjà gagné, Big, là, c'est beau, là. Il est tellement fin. Oh, t'as vraiment bien fait ça. Décidé. Ouais. Anthony, Céline, la date est terminée. Wow. Félicitations. Wow. J'ai un gars qui a une tête sur ses épaules, qui est terre à terre, qui est à ses affaires, puis qui sait où il s'en va dans la vie. Anthony. D'avoir une immense graine, là. Il y a tout pour lui, là. Ce gars-là, avec le deliver qui est fait, smooth, posé, la belle gueule, doux. Il me trouvait difficile, mais comme moi, ça sera un nom. Ah, OK. Je pensais que t'étais pour Laurent aussi. Je vais être honnête, moi, j'ai beaucoup de fun. OK. Tu sais, t'es vraiment drôle. Okay. Je veux pas être ça. Non, mais... J'essaie de penser à Monroe, à Marilyn. Ouais. Ah, Laurent, je t'aime. Alors, les filles, est-ce que votre décision est prise? Ils n'ont pas joué. Ça me surprend que Lara a dit non. Il est cute. Par contre. Ben bonsoir. Mais. Je sais pas. Anthony, ça a bien été? C'était justement beau, je pense que oui. On verra. Alors, on va inviter Céline à te rendre la décision. On a beaucoup aimé ton énergie. Tu m'as fait rire. Tu nous as toutes fait rire. Puis, on va utiliser notre petit Nico ici pour te dire bienvenue à OD. Oh! Oh! Wow. Yes, all right. Félicitations, mon gars, tu fais partie des garçons d'Occupation Double Andalousie. Merci. All right, good. Je pense que ce que j'avais à dire, c'est pas tout qui est sorti sur le sens du monde, mais regarde, je pense que ça fait un peu le charme d'un gars qui est vraiment pas à l'aise ou ce qui était là. Super content. Alors, on va voir le prochain garçon. Voici Antoine. Je connais Antoine, si ça se passe pour mon ex. Ah non, c'est pas lui du tout. Je m'appelle Antoine, j'ai 30 ans, j'habite à Montréal, propriétaire d'un restaurant. Moyen, hein? OK, attends, on se met dans zone, Ça fait environ 15 ans que je suis en restauration, j'ai fait pas mal tous les postes. Il y a un resto, il est tout hangover. C'est ça, c'est sa job. Mon activité préférée, c'est pas compliqué, c'est aller au restaurant. Du nouveau vin, nouveau plat, n'importe quel style de bouffe, je suis pas difficile. Je cherche une fille qui va être drôle, qui va être capable de faire des niaiseries avec moi. Si je suis à OD, puis vraiment je trouve la bonne, puis je tombe en amour, il y a pas de question, tout le monde va le savoir. Je vais y aller, all-in. À première vue, c'est mon genre, là. Ah ouais? Oh! C'est mon cue. Non, t'es tellement face. Juste comme ça. Oh!
Antoine! Yes! Bienvenue sur le tapis rouge. Comment ça va? Ça va bien. Je pense pas me présenter, j'imagine. Je laisse te présenter, mais je veux savoir comment ça va. Ça va bien, mais je suis stressé, honnêtement, je suis stressé. C'est tellement mon genre. Ouais, babyface, là. Il est très cute. Je m'appelle Antoine, j'habite à Verdun. Verdun, c'est à 15 minutes de chez nous. J'ai un restaurant au centre-ville à Montréal. Le stage est malade. Honnêtement, vous êtes incroyable, les filles aussi. Fait que, ouais, je suis vraiment excité d'être Laurent, ici. Laurent, ça me tombe vraiment cute. Laurent, ça devrait être déjà assis. Antoine, malheureusement, tu feras pas ta date ce soir. Les filles, vous aurez pas à délibérer. Parce qu'il est on va aller voir pourquoi. Grâce à Bill. C'est le fucker qui a été pris par la petite! Préféré! Ah ouais! Surprise quand même! Hein? Moi, je le trouvais cool! Ok! Ouais. C'est mon ami! Ma mère! C'est ma meilleure amie! Non, non, si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes des personnes importantes chez les candidats. Oh, donc, on ose croire que vous savez un peu c'est quoi leur genre de gars. Ah! Vous allez avoir besoin de délibérer à savoir lequel d'entre eux serait l'ultime gendre idéal. Wow! Je m'en dis tellement! Ça va pas bien, là. 5 jours sont partis. Il était un peu soon pour pleurer. Ça va pas bien, là. Ça va être difficile. Wow! Tu l'as littéralement vu, là, 3 dodos. Ouais, c'est ça, il y a pas si longtemps. Là. J'étais vraiment surprise de devoir prendre cette décision-là. Je m'attendais vraiment pas à ça. Mon activité préférée, c'est pas compliqué, c'est aller au restaurant. Quand tu parles, je trouve que... Oui, vraiment, je l'ai quand même aimé. On voit qu'il travaille dans le public, là. Oui! Ça me fait un petit côté bad boy. Non! Vraiment à l'intérieur de moi, je suis vraiment un petit lover boy qui est genre marre. C'est beaucoup de tatou. Je devrais rappeler les filles que c'est pas pour vous autres. Sincèrement, je vais juste dire de quoi. Cette twist-là, c'est, je trouve, une des meilleures des OD. C'est pas une twist négative. On aimerait que vous rendiez votre décision finale. C'est sûr que nos choix étaient différents parce que toutes les filles sont différentes. Et on va faire ça de façon officielle. Oui, allons-y. Attention. OK. Donc, on tient à préciser qu'on aime tout le monde. Ça a été c'est un choix ça. Difficile. Et notre choix s'est terminé sur Antoine. Ils l'ont pas pris, Michael. Comment ça, ils l'ont pas pris? Il était tellement charmant. Il a montré ses abs. Meilleur genre. C'est Gabriel. Ah, c'est oh ça. Michael. Justement, encore plus significatif. Écoute, Antoine, je sais pas si t'es bon de même avec les belles-mères d'habitude, mais là, tu t'en sors bien. Honnêtement, cool. J'ai déjà hâte de rencontrer vos mères. Vos mères! Donc, si tu comprends bien le principe, tu rentres automatiquement dans l'aventure. Non, le dernier, là, il va avoir merci, la chance. C'est pas gentil, j'en reviens pas, c'est malade. Écoute, Antoine, tu vas avoir l'opportunité de rencontrer les filles à un autre moment. On se le promet. C'est encore mieux, je serais vraiment reconnaissant. Merci beaucoup. On va avoir du fun cette année. J'étais prêt pour ma date, mais honnêtement, je regrette pas tant que ça d'avoir le passe-droit. Je suis sans mots pour rien. C'est les mères des candidates. Ils ont choisi un portrait, puis c'est moi. Ah, ouais! Joe, bon quand vrai. Il a dit ça l'an dernier, by the way, ça a fini en intimidation. C'était là. Pas Joe le problème. Ouais, c'était pas ça qui a gagné ça, c'est qu'il gossait. Ben, j'ai entendu dire que c'était full bon de se faire aimer des autres. Quand il y a de la main à terre, tu mets dans leur lit. Ça, c'était tu te fais des amis instantanés quand tu fais ça. Et ça, j'en viendrai toujours pas, mais en tout cas, on n'en parle pas. Nouvelle best, saison, nouvelle. Le best après que ça arrive, c'est de s'indigner de pas être aimé. Ça, c'est le best. Vous aviez 6 gars à voir, 3 à choisir. Vous avez fait 2 choix. Vos proches ont fait un choix. Le choix de vos proches ne compte pas comme un de vos choix. Ah, OK. Donc, vous avez toujours une place disponible. C'est vraiment cool. Mais là, il vous reste un candidat à voir, donc vous comprendrez qu'il rentre automatiquement. Mais est-ce que vous en dites si on lui fait jouer le jeu pareil? Oui. Qui tu penses qu'ils ont voulu absolument qu'il rentre? Christy Fondant. Ils le trouvent drôle à cam. Ils le mettent tout le temps à caméra. Ils vont mettre Johanna. Oui, Johannelle, il est tellement nice. Je suis sûr qu'ils l'ont mis là. C'est vrai. Ça, c'est mon guest. Johannelle, il est tellement beau. Il a tout le temps un favori du groupe. Ah oui, OK. Johannelle, je prie pour que ça soit lui parce que je veux qu'il rentre. On accueille maintenant le dernier candidat. Joe! Voici Johannelle. Yes! Wow! T'as-tu vu quand c'est prévisible? Je sais! On le savait. Sure. Oh! Et t'as vu? Salut tout le monde. Johannelle. Oh, crise de beaux blancs. Donc, mon nom est Johannelle. J'ai 28 ans. J'habite à Montréal et je suis analyste en assurance vie. Transmission, viens de prendre la mienne. Tu connais un peu le principe. Donc, t'as la chance d'avoir une date avec l'une des filles pendant 3 minutes. Ton choix s'arrête sur qui? Effectivement, ça va pas être facile parce que vous êtes tous des 10 pour moi. Mais ce soir, je vais aller avec Céline. Mais il est très cute. J'aime les bouts d'oreilles. Elle est grande. Son sourire. Ouais. Ça va bien? Ça va bien, merci. Raki POV. Je suis fucking je suis le sapin de Noël dans le coin. Ben, Lara aussi, je t'ai juste à dire que Lara non plus n'est pas prise. C'est so bad! Confiant ce soir? Oui, sinon toi, pas trop stressé. Ah, oh, ben, c'est sûr qu'on a eu des belles visites ce soir. OK. Mais...
Ça va bien. Ça va parfait, parce qu'avec moi... Ben, toi puis Laurence, veux dire. Toi puis Laurence. On a eu des bébés, toi puis Laurence, veux dire. Moi, tu dois pas être trop stressé. Je suis quelqu'un qui peut te rendre très à l'aise. C'est vrai que t'as une vibe très calmante. Exactement. Calmante. Tu dégages beaucoup de confiance, c'est oui, bien. Oui, c'est vraiment mon côté... D'abord, j'ai une surprise pour toi. C'est mon côté italien qui est comme ça, parce que je suis en Italie. Je suis né à Milan. Ça fait 7 ans que j'habite à Montréal et je vais souvent, j'ai la famille là-bas. Sinon, parle-moi un peu de toi. Est-ce que tu es une personne qui voyage beaucoup? En fait, je suis allée en Italie pour un mois il y a quelques années, puis c'était un voyage étudiant, fait que j'ai appris un petit peu d'italien. J'ai hâte de savoir si tu en connais un petit peu. Il n'y a aucun problème, parle-moi, je peux te... Nous, tu sais cet homme, quelqu'un? Donnez-y quelque chose, il est donc fort! Cette année, les candidats sont tous top. C'est qui ce gars-là? Ciao, come stai? Io sto molto bene, piacere. En fait. Quindi se vuoi possiamo parlare italiano tutta la serata, se ti va, ma sarà più tardi. Oh. Ouais. Bah, nice. Pepperoni, boy. Matt, I'm sorry. Moutou, je te quitte, Esti. La pepperone, génial, la crème à glace. Hein. Écoute, j'ai aussi une surprise pour toi. OK. C'est un petit truc. Ça, c'est un truc italien. C'est une petite rose. La rose? La rose c'est une pizza, c'est italien. Ça, c'est incroyable. Ça signifie la connexion qu'on a en ce moment. Je sais que c'est une petite date de 3 minutes, c'est pas assez. Mais c'est sûr qu'on va pouvoir se rencontrer. Grazie mille. Ciao bella, sei molto carina e mi piacerebbe invitarti stasera a mangiare qualcosa. Yo big, les uns pour les autres, mais non, bon, quel porc! Non, lui, il ravage le buffet, là. Il ramasse tout, il met ses mains dans les ailes de poulet, les frites, la pizza, les cuisses de grenouille, il ramasse tout! C'est qui ce gars-là? On aurait un petit quelque chose à t'annoncer, je vais laisser Céline le faire. Je vais être honnête, t'as fait une super belle impression, et on voit que t'es quelqu'un de très intelligent, puis c'est ça. Je t'annonce qu'il restait une petite place dans l'aventure, puis ça serait toi. Ah, merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. C'est une émotion inoubliable. C'est quelque chose que je peux pas expliquer en ce moment. Je suis en 1000 à l'heure, mais wow. Guys! Il s'exprime bien. Guys! On a le même âge! C'est vrai? Ben c'est mon âge! Mon Dieu! Dude, c'est qui ce gentleman? Aristote! Dude, moi, matin, là, je me suis levé, là, j'ai failli me chier dessus, matin. Là. Guys, on a le même âge, moi, puis lui. J'ai mangé beaucoup hier, j'ai failli me chier dessus, j'ai couru jusqu'aux toilettes. J'ai le même âge que ce gars-là. Moi, mon speech, là, je disais que je cherchais ma perruche. Dude, ce gars-là est magnifique, franchement. D'après moi, c'est un AI. On vit dans une simulation! Ouais. Vous savez pas à quel point je suis content de vous voir. Parce que moi, je vous aime. On est des bros for life. Ouais, Mia est vraiment belle. J'adore le bleu. J'adore le bleu. On est au rookie. C'est pas bon! C'est fucking hot! Genre les choix musicaux! Ouais, le beating est plus du tout. Sacrifice! L'éditing est plus bienvenue sur le tapis rouge. Merci. C'était comment de regarder tout ça à distance, tantôt? C'était vraiment fun. On était chers à nos filles. Vous aviez envie d'être là? On leur faisait confiance. On avait fait. Donc, les filles, on accueille le premier garçon, Vincent.